Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où j'ai la joie, le bonheur d'accueillir Monsieur Jean-Michel. Tout à fait, Monsieur Fabre. Là, je ne me suis pas trompé car j'ai hésité longuement entre Jean-Marc, Jean-Michel. Mais je dirais Jean-Marc. Et nous, tu as amené la merveilleuse Martine, Madame Martine, que voilà. Et l'extraordinaire, je dois dire. Je ne cherche pas son nom, je l'ai, d'accord ? Alexandre, c'est bien ça ? Voilà. Et donc, tu es venu en famille pour nous présenter Ziggy Zibi. L'ai-je bien prononcé ? On va dire oui. On va dire française, oui. Et là, on va tout de suite te mettre à l'aise. Que signifie ce mot ? Alors, ça signifie « connais ton adversaire et connais-toi toi-même ». C'est un... C'est tiré du premier traité sur l'art de la guerre qui a été écrit entre le 5e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Par... le général chinois Sun Tzu. D'accord. Là, je dois dire que le regard de Martine en dit long, tu n'as jamais parlé de ça, quoi, de ta passion pour l'art de la guerre asiatique, jamais. Là, tu la surprends, tu l'accueilles à... Ou alors, tu as préparé avant de venir parce que tu savais que j'allais être trop tard et te poser la question. Non, mais c'est vrai parce que tout le monde me le demande. Donc, depuis, je me suis renseigné quand même. Ok, ouais. Bah, c'est cool alors. C'est bien. Ça fait un peu de culture dans une émission de la Trick Track TV, car nous servons aussi à ça, à cultiver les gens. Ah, c'est un blanc de culture. C'est long, bon, alors, on n'est pas là pour dire des bêtises. Donc, on est là pour ce petit jeu. Alors, tu es l'auteur de ce jeu. Tout à fait. Hein, si j'ai bien compris. Que tu as fait illustrer par quelqu'un que tu connais aussi, qui s'appelle... Hélène Talabas. Hélène Talabas, d'accord. Donc, tu as monté pour ce jeu ta propre maison d'édition. Tout à fait aussi. Car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. En tout cas, au départ. Et donc, tu as créé les éditions Bourrico Games. Voilà. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le jeune Alexandre? C'est un petit rapport, puisque Bourrico, en fait, c'est la compression de trois noms. On a Bo pour Borel, Uri pour Urien et Co pour Cotigny. Ah ouais, voilà. Et donc c'était deux généraux asiatiques Du tout, Urien c'est moi, Cotigny c'est mon associé et Borel c'est le nom de jeune fille de Martine. D'accord, et Alexandre n'a rien à voir là-dedans en fait. Bah si, c'est mon fils. D'accord, c'est les oreilles de l'âne qui est du voilà. Logo, c'est ça. D'accord, donc c'est ton premier jeu, oui, et donc c'est fait. Un jeu de cartes et... tu vas nous l'expliquer, ça. Ah, bah, d'abord, je vais ouvrir cette petite boîte. Ce ne sont que des cartes. Que des cartes. Et rien d'autre. Que des cartes. Ouais. Donc, format tarot. Format tarot. Je vais poser cette petite boîte par devant moi, car nous n'en avons plus besoin. Tout à fait. Je vais la mettre ici, là. Hop, si je vois enfin le par devant moi. Le par devant moi, c'est ici. Okay. Les gens se demandent où se trouve le par devant moi. C'est juste là, à ma gauche. Et donc, voilà, les cartes. Donc, la règle est aussi alors, en la cartes. Règle est sur les cartes, voilà. C'est ça ? Donc, 6 cartes de règles, recto verso. Celle-ci, la rouge. 2, 4, 6. Bon, on n'en a pas besoin, hein, je vais mettre là. Ok, hop. Donc, je devrais connaître le jeu, ça devrait. Et ça glisse super, on va faire le test que je préfère, qui est celui de. Mais là, je crains que ça je n'y arrive pas parce que ça va. C'est tellement bien. Et voilà la belle rosace. Hein ? C'est beau. Je te laisse nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un jeu d'identité cachée. D'accord. Mm-hmm. Nous avons donc deux équipes, l'équipe bleue, l'équipe rouge. D'accord. Au départ, nous allons mélanger les cartes équipes. D'accord. Donc je ne vais pas savoir si je suis avec Alexandre, voilà. Martine ou Jean-Michel. Et distribuer les quatre cartes. J'ai le droit. Nous, on sait qui on est. D'accord. On regarde qui on est. Bien sûr, on ne le montre pas aux autres. Ensuite, donc l'objectif, le but du jeu, c'est de parvenir à identifier son partenaire. D'accord. Pour éliminer ses adversaires. Je fais ça comme ça. Donc l'objectif, ça va être de savoir qui, avec qui on est. Voilà. Ok. Donc, pour ce faire, on a des cartes spéciales, des cartes dégâts. On va commencer. D'accord, oui, on va se taper sur le coin de la gueule. Voilà. Carte dégâts, tout de suite, ça place son... On se met dessus. Et moi, je ne vais jamais oser taper sur Martine. Je ne peux pas taper sur les femmes. L'enfant, encore, je veux bien. L'enfant, il va manger des cartes dégâts. Mais Martine, je ne peux pas. Toi, tu peux, toi. Ah bon. Non, d'accord. On a des cartes dégâts. Voilà, donc la quasi-intégralité du paquet de cartes sera distribuée entièrement. D'accord. Presque entièrement. Quand c'est à son tour de jeu, on va jouer une carte à la personne qu'on veut, sauf à soi. D'accord. On n'a pas le droit de jouer quoi que ce soit à soi-même. D'accord. Donc pour infliger des dégâts, bah, c'est simple. Si c'est à moi de jouer, hop. Tiens, je mets 30 dans ta face, Martine. Voilà. Ah, c'est réglé. D'accord. Ensuite, c'est dans le sens horaire, donc c'est à Martine de jouer. Je vais bien prendre des d'accord. cartes. Et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un cumulera plus de 100 points de dégâts devant lui, il sera éliminé du jeu.
Enfin, il éliminé de la Manche. Ouais, okay. Hein. Donc là, et les autres continuent. Ah, les autres continuent. D'accord. Les autres continuent tant qu'un camp entier n'a pas été éliminé. Ah, quand elle est éliminée, on retourne sa carte pour savoir à qui elle était. Alors, ou ça reste secret? Non, non. Quand elle est éliminée, c'est-à-dire qu'elle aura plus de 100 points de dégâts devant elle. J'ai compris. Elle retournera sa carte. Voilà, c'est ça la question. On voit qui elle est. Terminée. Donc on voit si elle fait « Ah zut, c'était mon partenaire ». Voilà. Je ne le dis pas, je le dis pas, parce que sinon les autres vont savoir. Mais justement, c'est tout est d'accord. C'est aussi sur le comportement des gens, sur le jeu. Lady Gaga. Voilà. Alors, une petite règle sur les dégâts. On ne peut pas, par exemple, mettre 2-30 d'affilée à quelqu'un. Ah, parce que là, c'était vite dehors. On est forcément obligé d'alterner avec un 20 ou un 10. Ou un 10, d'accord. On ne met pas deux fois la même attaque. Par contre, les 10, on peut y aller tant qu'on veut. À la suite, les gros dégâts, c'est… Voilà, c'est les gros. Les 20, les 30, on est obligé d'alterner. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc ça, c'était les dégâts. On a vu comment taper sur les gens. Ça, c'était les dégâts. Donc après, il y a quelques cartes spéciales. Les cartes soins, vous commencez par celle-là, par exemple. Mm-hmm. Si par exemple Martine est avec moi ou j'ai envie de la soigner pour troubler un petit peu les autres, hop, j'y mets ça et j'enlève sa dernière carte de dégâts. Mm. Ça, et là, tu vois, tu m'as troublé en soignant Martine. Ah oui, parce que du coup, tu sais plus si elle est avec toi. Ah oui. Et c'est le but. Alors, cette carte tu prends la dernière forcément. Hein. La dernière carte de dégâts. Voilà. Okay. Donc même si elle est recouverte, c'est quand même la dernière carte de dégâts. D'accord. D'accord. Cette carte-ci, c'est la carte identification. Alors, cette carte-là, si je la joue à Martine, elle me montre, et uniquement à moi, qui elle est. D'accord. Mais j'imagine que ces cartes-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux dans tout le jeu. Combien de cartes dans le jeu? 70 cartes. 70 cartes. Donc, là, elle te montre, là, elle me montre uniquement à moi qui elle est. D'accord. Et ça, moi, en fonction de comment je joue, vous arrivez à déduire si je suis avec ou pas. Bien sûr. Enfin, peut-être. Sauf si tu es fourbe. Sauf si je suis fourbe. Et c'est possible. Ça a fait sourire, il sait que tu es fourbe. Je le connais bien. Hein. Cette carte aussi, c'est la carte recyclage, récupération. D'accord. D'accord. Donc, je joue cette carte à qui je veux, sauf à moi bien sûr, et je récupère la dernière carte qui lui a été jouée. D'accord. Donc si c'est celle-ci, c'est intéressant, parce que du coup ça multiplie par deux, possibilité de cette carte-là. Ouais. D'accord. Et que je la rejoue soit immédiatement la même, soit quelqu'un d'autre. Mais je tu rejoues tout de suite. Je la rejoue immédiatement. D'accord. Non seulement tu prends une carte, mais ça te double ton coup. Et je la joue immédiatement. Voilà. C'est puissant ça. Alors ça peut être intéressant, donc là-dessus ça peut être intéressant aussi sur un dégât. D'accord, par exemple, si mon partenaire est à 30, il a un 30 là et puis il est prêt à mourir, à passer, bah, je récupère le 30 et je joue tout de suite un adversaire. Ouais. Et ça donne le sourire. Ça c'est sympa. Ouais. Voilà. J'aimerais pas être de ta famille. Cette carte aussi, c'est la carte protection divine. Voilà. D'accord. Donc si je la joue à quelqu'un, par exemple Martine. Hein, après t'avoir tapé dessus, il te protège divinement. Pendant deux tours, on peut rien lui mettre. Aucune carte, d'accord. Ni dégâts, ni autre carte. D'accord. Par contre, elle continue à jouer. Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne protection, ça. Voilà. Et on a une dernière carte qui est encore un peu plus spéciale que les autres, c'est la carte Boomerang. Voilà, carte okay. Boomerang. Donc cette carte-là, c'est si je reçois une carte, quelqu'un me met une carte que je ne veux pas. Alors immédiatement, même si ce n'est pas moi de jouer, immédiatement, hop, je réponds, je joue une carte Boomerang, et du coup, c'est celui qui me destine à la carte qui se prend l'effet de sa propre carte. D'accord. Tu ne la joues que si c'est sur toi ou tu peux la jouer aussi? Ah non. En mettant que Martine joue sur Alexandre et que tu n'as pas envie? Non, non. C'est que sur soi. Que sur soi, d'accord. Que c'est un boomerang sur soi, d'accord. Voilà. Okay. Donc par contre, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait distribuer la quasi-intégralité du jeu de cartes. En fait, on va distribuer l'intégralité à l'exception du nombre de boomerangs qu'il y aura dans le jeu. On peut jouer avec ou sans boomerang, donc du coup, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à 4, on joue avec deux boomerangs. Ouais. Mais on peut jouer à plus sur ce même jeu. Ah, explique-moi, parce que là, il n'y a que 4 cartes couleurs. Voilà. Sur un jeu de cartes, on joue à partir de 4. Il suffit d'ajouter un deuxième jeu pour jouer jusqu'à 8. Et ainsi d'accord. de suite. Mais dans les autres jeux, c'est aussi du bleu et du rouge. C'est aussi je vais montrer les cartes dont on va les redistribuer. Donc, il y aura. Si on ajoute deux jeux, on pourra jouer jusqu'à 8. Il y aura 4 bleus, 4 rouges. D'accord, donc c'est des équipes beaucoup plus grandes. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Et le but du jeu, c'est d'éliminer complètement l'équipe. D'éliminer une équipe entière. Entière, d'accord. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions, je ne crois pas. J'avais pas terminé, je crois. Ah oui, c'est pas terminé. Donc, mais tu retires autant de cartes que de boomerang. Donc là, tu retires deux. C'est pas à moi de jouer, j'ai une carte de moins dans les mains. Ouais. Donc, je pioche une des deux cartes qu'il y aura. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il va y avoir deux cartes défaussées de pioche. Voilà. C'est un jeu avec deux cartes de pioche. Les plus petites pioches du monde. Pour 4, oui. Pour 8, il y en aura 4. Moi, j'ai compris, je crois. T'as compris, Martine? Très bien. Et toi, Alexandre? C'est bon. Je pratique. Ouais. T'es champion régional, non, c'est ça? Ton père m'a dit, tu étais imbattable. Non. On y va? On est parti. Ah, c'est une petite partie.